Si vous voulez bien, on va tourner ensemble encore une fois dans 1 Timothée. On regarde ensemble l'épître, la première épître de Timothée. Et puis, ce que Paul a déposé dans son enfant bien-aimé, en tant que jeune ministre de l'Évangile, un jeune homme, Paul voulait déposer en lui des choses qui étaient extrêmement importantes. Et on a vu ensemble que ce qui est intéressant, c'est que Paul, la première chose qu'il fait, c'est de lui rappeler déjà l'exhortation qu'il lui a donnée. Et on voit que plus le temps avance, plus Timothée avait besoin également d'être vraiment aux aguets, parce qu'il y a des choses qui vont essayer de s'infiltrer. Et Paul voulait mettre des choses en place, lui donner des instructions afin qu'il sache comment agir. Et qu'il devait charger des personnes, leur commander même, de leur donner un ordre de ne pas enseigner d'autres doctrines. On a regardé ça dans les deux dernières semaines, et on a terminé avec le fait que ces personnes-là qui s'élèvent souvent vont se servir de la loi pour leur donner une sorte d'autorité, pour dire qu'ils ont une autorité spirituelle. Ils vont se tourner à la loi. Et Paul lui dit que pratiquement le but, ce n'est pas la loi, ce n'est pas que les hommes observent la loi, parce que nul ne peut le faire. Il n'y en a pas un d'ici, pas un d'entre nous ici qui a réussi à garder la loi. Il y en a peut-être même ici qui ne voulait rien savoir de la loi. Malgré qu'on faisait des choses, les œuvres de la loi, sans même parfois s'en rendre compte. Parce que Dieu a mis en nous une conscience. Et Paul dit, le but, ce n'est pas de garder la loi, parce que la loi ne nous amène pas à la justice, mais elle nous mène à reconnaître que nous sommes injustes et que nous avons besoin d'un sauveur. Alléluia. Et Paul lui dit que le but, c'est vraiment de cette recommandation-là, c'est d'avoir un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et on a vu ensemble que la sainte doctrine n'est pas contraire à ces choses-là. Au contraire, même, je crois qu'elle est plus élevée que qu'est-ce que la loi nous fait connaître. Parce que la sainte doctrine nous enseigne comment aimer et nous donne l'exemple de l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Et quel est cet exemple-là où nous avons élevé son nom ce matin? Jésus est l'exemple. Et c'est à lui qu'on doit regarder. Et c'est ce que la sainte doctrine, les saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui est important. Qu'on ait une bonne conscience, une foi qui est sincère en lui, et non pas se reposer sur la loi pour avoir une relation avec Dieu, parce qu'on ne l'aura jamais sous la loi, mais par la foi, une foi sincère, une foi qui est attachée à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a vu ensemble, que la loi est bonne, mais elle n'est pas faite pour le juste. Et le statut du croyant, c'est qu'il obtient la justice, comment? Par la foi. Amen. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit au verset, à la fin du verset 10, il dit... Il donne toutes sortes de choses au verset 10. Chapitre 1. On est toujours dans le chapitre 1 de 1 Timothée. Si j'oublie de dire le chapitre, c'est parce qu'on est encore dans le chapitre 1. Et puis, lorsque j'oublie de dire d'autres choses, vous me faites. Si j'oublie un verset ou un chapitre, vous me faites penser. Mais ça nous dit ici tout ce qui est contraire à la saine doctrine. C'est ce qu'il dit. Ces choses-là, la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, qui est conforme à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. C'est ce que l'évangile fait connaître, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui fait connaître. C'est la sainte doctrine. Ce que l'évangile fait connaître, il nous fait connaître la sainte doctrine et la parole de Dieu telle qu'elle nous est révélée. L'évangile qui m'a été confié, et j'ai mentionné ce matin, c'est ce qu'on va regarder ensemble. L'évangile qui m'a été confié. Quel est cet évangile-là? C'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. C'est un évangile qui est glorieux, frères et sœurs. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a prouvé son amour. Il a démontré son amour envers nous. Comment? En envoyant son Fils. En donnant son Fils. C'est un évangile que c'est pas rentré dans la tête de l'homme qu'un Dieu, le Dieu, ferait une telle chose. C'est absolument glorieux.
Et Paul ici, il dit, c'est l'évangile qui m'a été confié. On va commencer à lire à partir du verset 12. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, parce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Il vient me chercher parce que je me dis, quand le Seigneur a-t-il jugé Paul fidèle? Pensez-y comme il faut. Comment est-ce que Paul est venu au Seigneur? Hein? Et Paul a été placé immédiatement dans le ministère. Malgré que plus tard, oui, il est allé, et je crois que Dieu lui a donné des révélations, lui a donné, mais immédiatement, ça nous dit qu'il s'est mis à prêcher. Il a été établi, et le Seigneur m'a dit à Ananias, je l'ai choisi comme étant un instrument. Hein? Et il va me glorifier. Mais quand est-ce qu'il a jugé fidèle? C'est comme si Paul, Dieu m'a vu tout au long de ma démarche, qui était zélé pour Dieu, il était zélé pour la loi, il était un pharisien, des pharisiens. Et Paul, frère et soeur, tout ce qu'il a fait, c'était par fidélité, parce qu'il pensait qu'il agissait de la part de Dieu. Paul était convaincu de combattre l'Évangile, vraiment, de combattre cette doctrine-là, c'est qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Parce qu'il voyait la voie comme étant une hérésie. Que c'était faux que Jésus était le Christ. Mais Paul ici nous dit, il m'a jugé fidèle. C'est comme si Dieu le voit fidèle dans ce qu'il faisait et maintenant, il l'arrête dans ses pots et lui montre ce que tu fais là, tu me persécutes et tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'on voit Paul le reste de sa vie. Dans toutes ses études, on voit Paul, un homme zélé maintenant pour l'Évangile, zélé pour Jésus-Christ, fidèle à l'appel de Dieu. C'est juste une pensée, c'est que je me disais, quand est-ce qu'il a été trouvé fidèle avant d'être établi dans le ministère? Ça nous dit au verset 13, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Oui, toute la gloire lui revient parce que c'est son évangile, c'est sa bonne nouvelle, c'est son œuvre. Et la gloire lui revient. Paul, on sait que Paul, d'après les autres épîtres qu'il a écrites, qu'il avait été établi pour la défense et la confirmation de l'Évangile. En grande partie, nous avons, dans le Nouveau Testament, la majorité des épîtres qu'on retrouve sont écrites par Paul. Paul avait été établi dans le ministère pour la défense et la confirmation de l'Évangile. Et on sait, il le mentionne à même reprise, que l'Évangile qu'il a proclamé, qu'il a prêché, qu'il a annoncé, qu'il a enseigné, il l'a enseigné clairement. Il n'y avait pas d'ambiguïté avec Paul. Pourquoi? Parce qu'il l'a reçu de la part de Jésus-Christ. Si on va ensemble dans 1 Corinthiens, au 15e chapitre, Paul nous déclare clairement l'Évangile qu'il a prêché. Et l'enfance qu'il a mis dans cet évangile-là. Gardez votre doigt là et allez dans le Galatin. Gardez votre doigt dans 1 Corinthiens 15. Parce qu'on va y revenir. Si vous utilisez votre téléphone, vous êtes mal pris. Si vous ne pouvez pas mettre votre doigt quelque part d'autre.
Dans Galates 1:11, une chose que Paul déclare, il dit, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, mais je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Pas mal unique, comme la plupart d'entre nous, on l'a tous appris d'un homme. On l'a appris des apôtres. On l'a appris de ceux qui nous ont enseigné, qui nous ont témoigné de ces choses-là. Mais Paul dit, ce que j'ai reçu, je ne l'ai ni appris d'un homme, mais par une révélation. Il ne l'avait pas appris ni reçu d'un homme. Et voici l'évangile qu'il prêche et les termes qu'il attache à cet évangile-là. Et la nécessité vraiment de proclamer un évangile. Il nous dit au verset 1, « Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. » Autrement, vous auriez cru en vain. Mais il parle à des gens qui ont quoi? Est-ce qu'ils ont reçu l'évangile? Paul dit qu'ils ont reçu l'évangile. C'est ce qu'il nous dit. Dans lequel même vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés. Mais même condition, si vous le retenez dans les termes. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger, frères et sœurs, parce qu'il y a d'autres doctrines qui viennent et qui s'introduisent et qui cherchent à changer la grâce de Dieu, qui cherchent à changer l'évangile qui a été proclamé. Il dit, vous auriez cru en vain. Ils croyaient, ils ont cru, mais il dit, vous croyez en vain si vous ne retenez pas selon les termes que je vous ai donnés. Je vous ai enseigné au verset 3, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu. Et j'aime le fait qu'il dit, il est apparu. Parce qu'il est ressuscité des morts et il s'est prouvé qu'il est vivant. Les gens l'ont vu. Paul, ici, je crois, nous fait part d'une chose. Que l'Évangile, ce n'est pas seulement de transmettre une connaissance à propos de Dieu. Et je pense que malheureusement, c'est ce qui s'est passé à travers les années. C'est qu'on a transmis une connaissance à propos de Dieu, mais sans que les gens prennent part à l'Évangile. Sans que les gens entrent dans cette communion-là. Dans Philippiens 1, justement, il nous parle de la part que vous prenez à l'Évangile. Dans Philippiens 1, 5, vous n'avez pas besoin d'y tourner, mais la part, ici, c'est le terme « communion », qui veut dire la communion, le partage intime. Vous avez pris part, vous avez un partage intime dans l'Évangile. À l'Évangile. Vous êtes en communion. Quand Paul a dit aux Corinthiens, justement, dans lequel on a lu au chapitre 15, mais au chapitre 1, il dit, Dieu vous a appelé à quoi? À la communion de son Fils. C'est ça que l'Évangile nous fait part. C'est que nous sommes appelés à la communion. D'avoir part à l'Évangile. Non seulement de recevoir de l'information ou des instructions par rapport à Dieu, mais de vraiment d'entrer dans cette communion-là. Et justement, dans Philippiens 2, Paul se réjouit parce que vous avez participé à la même grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs, que nous soyons en communion avec le Fils. Jean nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Au même titre que Moïse a été utilisé pour emmener la loi, pour nous faire connaître la loi, mais maintenant, Christ a été établi et par lui, la grâce et la vérité sont venues. Par lui. Quelle est cette grâce-là? Qu'est-ce que cette grâce-là qui est venue par Jésus-Christ? N'est-ce pas la grâce dont Paul parle et qu'il mentionne à titre? Car la grâce de Dieu, source de salut, c'est la grâce et la vérité qui est venue par Jésus-Christ.
Mais ce n'est pas simplement de communiquer cette instruction-là ou cette connaissance-là de la grâce. C'est la grâce et la vérité qui sont connues par Jésus-Christ. Parce qu'il y a des, je crois, qu'il y a une grâce de nos jours qui n'est pas véritable. C'est une grâce que les gens, fort probablement, ont en connaissance, mais qui n'est pas une vérité, donc à laquelle ils n'ont pas part. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en communion avec le Fils. L'Évangile, son but, c'est de nous emmener dans une relation avec Dieu. Et non pas qu'on ait simplement une connaissance de Dieu. Parce qu'éventuellement, si c'est juste une connaissance, on n'aimerait pas retenir cette connaissance-là et on va agir de façon qui est complètement contraire. Cette grâce et vérité qui viennent par Jésus. Et c'est intéressant parce que Paul dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qui a manifesté cette grâce? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est qu'elle nous enseigne quelque chose. Elle ne nous laisse pas dans un vacuum, on pourrait dire. Elle ne nous laisse pas vraiment sans rien nous communiquer. La vérité, c'est qu'elle nous enseigne justement la vérité. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer. À renoncer à l'impiété, à renoncer au convoitise mondaine. Et de vivre, elle nous enseigne aussi de vivre selon la sagesse, la justice, et ainsi de suite, selon la piété. Ça, c'est la grâce et la vérité qui sont données par Jésus-Christ. C'est pour ça, ici, on retourne dans 1 Timothée. Paul ici mentionne quelque chose, je crois, qui est extrêmement important. Il dit au verset 15, il dit, c'est une parole certaine. C'est une parole certaine. C'est une parole qui nous a été communiquée, et cette parole-là, cette grâce, cette vérité-là, elle nous enseigne, comme on a dit. C'est une parole certaine. Le terme certain est traduit par fidèle dans la King James Version. La plupart des versions anglophones ont utilisé fidèle plutôt que certaine. C'est une parole fidèle, qui est vraie, qui est assurée. Et savez-vous quoi, frères et sœurs? Le fait que c'est une parole certaine nous permet de parler avec assurance. Est-ce que c'est pas mal basic, la logique? Mais c'est tellement profond. Ça nous permet de parler avec assurance. Pourquoi? Parce qu'on a une parole certaine. Allez avec moi dans Actes. Livre des Actes des Apôtres. On a parlé ce matin au verset 12. Acte 4, 12. C'est-à-dire, il n'y a de salut en aucun autre nom. Oh, ça passe pas bien de nos jours, hein? Hey, on n'est pas assez ouvert. Hey, on est fermé. Je parlais à quelqu'un pendant les funérailles du père à Jocelyn. Et puis la dame, elle dit, moi, je suis ouverte à tout. J'ai dit, malheureusement, par contre, il y a juste un chemin. Tu peux être ouverte à tout, mais si tu n'es pas sur le bon chemin, ça mène nulle part. Ça mène pas nulle part. Ça mène à la perdition. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Regardez verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance, ce que Paul disait, c'est une parole certaine. Il n'y avait aucun doute dans sa tête, aucun doute dans son cœur, c'est une parole certaine. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Seigneur, ma prière, c'est que les gens puissent reconnaître
que nous sommes avec Jésus, que nous marchons avec Jésus. Par l'assurance qu'on a là, que c'est une parole certaine. C'est une parole assurée, on pourrait même dire dans le grec. Une parole assurée. On n'a pas besoin d'en regarder ailleurs. Il n'y a qu'un seul nom dans lequel les gens devraient être sauvés. Un seul nom, c'est tout. Si on va un petit peu plus loin dans le même chapitre, au chapitre 4, après avoir été persécutés et ces choses-là, les apôtres se mettent à prier. Les disciples se mettent à prier. Et au verset 29, ça nous dit, « Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. » Avec quoi? Une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés, tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le seul moyen qu'on puisse annoncer la parole de Dieu avec assurance, frères et sœurs, c'est d'être certain que c'est une parole certaine. Être assuré que c'est une parole certaine, et c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Pierre a fait mention, n'est-ce pas? Ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit envoyé du ciel pour nous chatouiller, pour nous faire rire, pour nous faire rouler, pour nous faire soigner des chandeliers. Hein? Là, je fais un petit peu en français, vous m'excuserez. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on puisse annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, afin qu'on puisse témoigner de son nom dans le monde dans lequel nous sommes. Et proclamer avec assurance qu'il n'y a pas d'autre nom. Proclamer avec assurance que Dieu, dans son amour qu'il a prouvé en envoyant son Fils, c'est véritable. Et ça, Paul dit, c'est une parole qui est certaine et entièrement digne d'être reçue. C'est ce qu'il nous dit. Pourquoi qu'elle est digne d'être reçue? Parce qu'elle est véritable. Elle est vraie. Elle est fidèle. Hein? Il n'y a pas d'entre-deux, là. Il n'y a pas... Et c'est pour ça que je suis très attristé de voir ce qui se passe concernant le questionnement que les gens sont en train de faire avec la parole de Dieu. Et ça commence au début, n'est-ce pas? Ah, mais Dieu a créé... Mais ça peut être des millions d'années entre chaque jour. Frère, ça, c'est une attaque diabolique sur la parole de Dieu, sur la véracité de la parole de Dieu, et sur la puissance et la grandeur de Dieu. Hein? Parce que si Dieu a créé, et ça a pris des millions d'années, lorsqu'on lui demande quelque chose, ça se peut, ça fait si longtemps qu'on soit parti d'ici, là, avec un 50 ans de temps que ça. Lorsqu'il a guéri l'aveugle, lorsqu'il a guéri le boiteux, lorsqu'il a guéri le lépreux, ces choses-là, frères et sœurs, c'était des choses qui arrivaient et s'étaient accomplies sur le moment. Hein? Dieu est au-delà de ce que l'homme s'imagine qu'il est. Il est le Tout-Puissant. Alléluia! Hein? Mais il y a toutes sortes d'attaques qui se font en ce moment et à travers les anges concernant spécifiquement la véracité de la parole de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a dit? C'est vraiment certain? Est-ce que je peux vraiment être assuré que c'est vrai? Paul dit que c'est une parole certaine. Et spécifiquement, il le dit par rapport à sa venue. C'est une parole digne d'être reçue parce qu'elle est véritable. Et je lisais justement ce matin, hier et ce matin, dans les Apocalypse, lorsqu'il fait mention de ces choses-là, au chapitre 20, verset 5, nous n'avons pas besoin de tourner, ça dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles. Écris quand ces paroles sont certaines et véritables. Si je te demande de faire, écris-le parce que c'est certain et c'est véritable. Donc, on voit toujours cette certitude-là associée avec la vérité. Et la grâce de Dieu doit être également. Et la même chose au
chapitre 22 de l'Apocalypse, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais Paul ici nous dit que ce parole, ce qu'il a dit, c'est une parole certaine qui est digne d'être reçue parce que c'est la vérité. Dans le grec, le terme qui est utilisé pour digne d'être reçu a la pensée de celui qui a mérité quelque chose. Christ a mérité, dans un sens, d'être souverainement élevé à la droite de Dieu. Il a mérité ces choses-là, pourquoi? Parce que Dieu lui a donné son approbation. Lorsqu'il a été baptisé, souvenez-vous ce qu'ils ont entendu. Hein? Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il a eu l'approbation. C'est digne d'être reçu, parce que Jésus est digne. Hein? Jésus est digne. Jean lui a donné témoignage. Je suis là avec moi dans Jean. Gardez toujours votre doigt dans 1 Timothée parce qu'on y retourne tout le temps. Dans Jean 1, au premier chapitre. Jean, premier chapitre. Et on a vu ça mercredi soir dans notre discussion. C'est justement, c'est venu sur la table, comme on pourrait dire. Ça nous dit au verset 6, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Jean a rendu témoignage à la lumière. Mais Jean, un peu plus loin également, rend le témoignage. Au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est digne d'être reçu. Pourquoi? Parce que Jésus est le Messie attendu. Il est le sauveur du monde, comme on voit au chapitre 4, lorsque les gens, après avoir entendu la femme, sont allés voir Jésus, ils ont dit, maintenant on voit, non, pas à cause de toi, mais à cause de ses paroles, il a dit, nous savons qu'il est le Christ, le sauveur du monde. C'est digne d'être reçu. Et Jésus lui-même a témoigné, il dit, l'œuvre de Dieu, vous le connaître, c'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est de croire en celui qui l'a envoyé. Paul à Timothée, et lui dit, voici ce qui est digne d'être reçu. Hein? Voici ce qui est digne d'être reçu, que Jésus-Christ, au verset 15, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Qui qualifie? Je vous pose la question, qui qualifie? Hein? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas pécheurs? Ou il y a juste certaines personnes qui sont pécheurs? Tous sont pécheurs. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on est tous qualifiés. Ce message-là est qualificatif pour tous les hommes de la terre. Dans toutes les générations, comme Paul le dit dans Acte 17, dans tous les temps, c'est le même message. Christ est venu dans le monde. Jésus dit, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu en a fait, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. Pourquoi? Pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Paul a reçu son évangile. L'évangile dit, je l'ai reçu de qui? Je n'ai pas reçu d'un homme, mais je l'ai reçu de Jésus-Christ. Et c'est exactement le même terme que Paul utilise, que Jésus dit qu'il était venu, que Dieu a envoyé son Fils, qui était venu pour sauver le monde. C'est ce qu'il nous dit. Et Paul dit ça, c'est une parole certaine. Je peux être confiant de prêcher l'Évangile parce que je sais que le message s'adresse à chaque personne à qui je parle. Sans équivoque. Sans aucune ambiguïté. Et c'est digne d'être reçu. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Lorsque Joseph a voulu mettre de côté, n'est-ce pas, Marie, à cause de. C'est invraisemblable qu'une femme devienne enceinte sans qu'il se passe de quoi. Et on peut tous le comprendre, on dit OK, mais là, c'est bien beau, Marie. Tu es une bonne femme, il est avec moi. Et là, le Seigneur lui a montré, non, 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 tu prends Marie,
Et tu vas donner le nom à l'enfant, tu vas lui donner le nom de Jésus, parce que c'est lui qui va sauver son peuple. Il va sauver son peuple de ses péchés. On voit que Jésus est venu premièrement pour qui? Les Juifs. Il est venu pour le peuple juif, en premier lieu. Dieu a accompli sa promesse envers le peuple d'Israël. Dans Luc 132, ça nous dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Il est venu appeler à la repentance qui? Des pécheurs. Il est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Il appelle les pécheurs quoi? À la repentance. Mais dans Luc 19, 10, ça nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Encore là, je crois ça, on est tous qualifiés. On était pas mal perdus. Mais il dit, je suis venu pour chercher ce qui était perdu. Dans Jean 12, 47, il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il rappelle encore une fois ce qu'il avait dit au chapitre 3. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Mais justement, Jésus a également mis les termes de son message. On va voir dans Luc. Souvenez-vous ce qu'il dit. Je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance, mais des pécheurs. Je veux dire, ils sont appelés à la repentance. Luc 24. Et c'est Jésus ici qui parle à ses disciples. Et on va commencer à lire au verset 45. Ça nous dit alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus leur dit, c'est ce qui est écrit, c'est établi, c'est une parole certaine. Christ allait souffrir, il allait ressusciter des morts, et que la repentance, comme Jésus et Jean-Baptiste et Pierre en premier lieu également a prêché quoi? La repentance. Et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Est-ce qu'on va aller voir ensemble dans Actes? Je fais mention de Paul. Pas Paul, mais Pierre qui prêchait. La première chose qu'il dit, après son message, il a commencé dans le message, mais quand il a demandé qu'est-ce qu'on doit faire, ça les emmenait à réfléchir, n'est-ce pas? Ce qu'il avait prêché. Il les a amenés à réaliser qu'est-ce qu'on doit faire. Bon, on est dans le trouble. On est coupable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit quoi faire? Pas faire tout. Mais Paul, allons au chapitre 26, dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'il donne le témoignage de ce à quoi il avait été appelé, et qu'il parle devant Agrippa. Ça, c'est le chapitre 26. Et au verset 19, ça nous dit en conséquence, moi, Agrippa, je n'ai point résisté à l'édition céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem. On voit qu'il commence à prêcher immédiatement. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem. Dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Au chapitre 20, il dit, j'ai prêché la repentance et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion. On voit qu'il y a un changement, il y a une transition, il y a une part.
Il rentre dans un partage intime, dans une communion, la conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. La foi en Christ ne nous laisse pas dormant, oisif. Et là, il nous dit au verset 21, voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tenté de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage avant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Il s'en est tenu à la parole de Dieu. Et on sait que la parole de Dieu, c'est une parole certaine, digne d'être reçu. Même l'Ancien Testament, et vous remarquez de plus en plus, frères et sœurs, il y en a qui essayent de séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament, comme si on devrait ignorer l'Ancien Testament, parce que maintenant, nous faisons partie de la Nouvelle Alliance. Oui, on fait partie de la Nouvelle Alliance. Mais cette alliance-là, elle avait été déjà proclamée dans l'Ancien Testament. Il y a des choses importantes pour nous d'apprendre. Comment est-ce que Dieu a agit avec le peuple d'Israël, frères et sœurs, ce n'est pas différent comment est-ce qu'il agit avec son peuple, avec l'Église. Comment est-ce qu'il fait les choses? On a besoin d'apprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est écarté en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, verset 23, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait. Oh! Jésus est vivant. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Mais comment est-ce que Jésus annonce après sa résurrection? Comment est-ce qu'il annonce aux nations? Pas simplement à ses disciples après qu'ils aient vu pour 40 jours, après qu'ils aient été ressuscités et leur enseigne. Mais il dit, il a annoncé la lumière au peuple juif et aux nations. Il le fait, frères et sœurs, à travers son Église. Il le fait à travers ses disciples. C'est comme ça que Christ annonce l'Évangile. Comment est-ce qu'il annonce la lumière? C'est à travers nous, à travers son peuple. Nous sommes ces instruments. Souvenez-vous lorsque Paul est allé à Damas justement pour aller persécuter l'Église et qu'il a été arrêté en chemin. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce que la voix lui a dit? Pourquoi me persécutes-tu? T'es qui, toi, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus parle à travers son Église. Il témoigne son nom à travers son Église. Ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Et c'est pour ça que je crois qu'il est important qu'on s'en tienne à la parole de Dieu. On n'est pas Dieu, on ne se fait pas des dieux, mais nous sommes des vases de terre dans lesquels il a mis un trésor extraordinaire. Nous avons un message à proclamer et c'est une parole certaine et digne d'être reçu, parce que c'est le seul nom qui est donné par les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y en a pas d'autre nom. Frères et sœurs, on doit être et avoir cette assurance-là lorsqu'on sort, lorsqu'on parle avec les gens. Oui, on parle des caractères timides, mais ça veut dire quoi? Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Qu'on suive le but de Paul. Parce qu'il dit, la recommandation, c'est un homme, je te donne, c'est d'avoir un amour pur. D'un amour d'un cœur pur. C'est ce qui est important. Et on peut être motivé par l'amour de Dieu pour partager la parole de Dieu. Êtes-vous pressé? Non. Ce qui est intéressant, c'est que Paul donne un exemple. Il se sert de lui-même comme un exemple de la certitude de cette parole-là qui est digne d'être reçue. Il se sert de lui-même comme exemple.
Et il se sent du pire des... C'est comme s'il donne un exemple du pire des cas qu'il peut y avoir. Il est venu pour sauver des pécheurs dont je suis le premier. Il n'était pas le premier, Adam et Ève ont été les premiers. Il était premier dans, vraiment dans le fait qu'il était le chef, le principal, le principal des pécheurs. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était incompréhensible. Lorsqu'il réalise qu'est-ce qu'il a fait, on va le laisser parler pour lui-même. Au verset 12, il dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, parce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, qui parlait mal, qui parlait mal, mais qui était abusif, non seulement dans ses paroles, mais dans ses actions, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Paul brûlait d'un zèle qui voulait éliminer ceux qui confessaient le nom de Jésus. Et c'est pour ça qu'il se voit comme étant le premier des pécheurs. J'étais complètement à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Mais par contre, il nous fait part de la grâce surabondante. Regardez ce qu'il dit. Mais j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut pas parler avec disant que c'est une parole certaine. Pourquoi? Parce qu'il a pris part à cet évangile-là. Et c'est pour ça dans Philippiens, lorsqu'il dit vous avez partagé, pris part à la même grâce, vous avez partagé la même grâce. Il a obtenu miséricorde. Cette grande source de salut, Paul dit, elle a surabondé. Et la grâce, au verset 14, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus. Et Paul nous dit, au verset 16, « Mais j'ai obtenu miséricorde. Je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Je suis le pire des cas, et regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que sa miséricorde, regardez ce que sa grâce qui est surabondée a accompli, a fait. Il est passé d'un blasphémateur à un prédicateur de la vérité qu'il persécutait dans le passé. Dieu est capable de faire des grandes choses. Sa longanimité ne parle pas simplement de sa patience, la patience de Dieu envers les hommes, mais à sa lenteur à venger les fautes. C'est comme si Paul disait, ça ferait longtemps que Dieu aurait dû me saper. Non, c'est vrai, ça ferait longtemps que j'aurais dû être condamné, envoyé à la perdition. Mais Dieu démontre à travers moi à quel point il est patient, à quel point il est lent. Il est lent à venger les fautes. Mais on sait que le temps vient, où est-ce qu'il va venger? La vengeance appartient à Dieu, frères et sœurs. Et nous savons également que Pierre était extrêmement catégorique face à l'Évangile. Par rapport à l'Évangile, Paul était un homme catégorique. Il a dit aux Galates, il dit, « Je m'étonne que vous êtes détournés là, aussi rapidement de l'Évangile. » Voilà un autre Évangile ici. Pas qu'il y en ait un autre Évangile, mais il y en a qui changent, qui tordent, qui altèrent l'Évangile de Christ. Il est catégorique parce qu'il dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile qui soit anathème, maudit pour l'éternité. Moi, j'appelle ça
un homme assez catégorique. On voit le caractère de Paul, n'est-ce pas? Il était catégorique dans le passé, il est encore catégorique, mais cette fois, c'est une révélation qu'il a de Dieu, de l'Évangile. Un Évangile qui est certain, digne d'être reçu, n'est pas à être tempéré avec. Ce n'est pas aux hommes de tempérer avec cet Évangile-là. Mais il fait rapport à un autre évangile comme étant une séduction diabolique à travers des ouvriers trompeurs qui ne s'en tiennent pas à quoi? Ils ne s'en tiennent pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne s'en tiennent pas à l'évangile qui est révélé dans les Écritures. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. On doit s'en tenir à ce qui nous a été donné. On sait que le Seigneur ne tente pas, n'est-ce pas? Il veut que les hommes se repentent. Mais on doit prêcher l'Évangile tel que nous l'avons reçu. Amen. Pas pour rien que Pierre nous dit, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. On a un adversaire qui s'oppose à la vérité, qui s'oppose à l'Évangile. Et c'est pour ça que je crois que Paul, on va essayer d'aller rapidement, que Paul mandate Timothée de s'engager dans le bon combat. Au verset 18, il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, on entend 1 Timothée 1, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Moi, j'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes dans un combat. Et ce n'est pas un combat qui se fait là, bizarrement. C'est un combat face à l'Évangile. C'est un combat face à la vérité. C'est un combat à ce que nous devons proclamer, prêcher. Nous sommes dans un combat, et il dit Timothée, Dieu a confirmé qu'il t'avait appelé à ça. Timothée, ce n'était pas autonomé, dire ah, ben moi, je vais peut-être un prédicateur évangéliste. Non. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat. Rappelle-toi ce que Dieu a affirmé. Rappelle-toi ce que Dieu a déposé en toi. Puis plus tard, on dit par ses propres mains, pas les dit par l'imposition de ses mains et des anciens. Ce que Timothée avait reçu ce que Dieu l'avait appelé à faire, il pouvait s'en rappeler, dire oui, ok, Seigneur, par ta grâce, par la force de ton esprit, parce que c'est toi qui m'as établi. Combat le bon combat, comment en gardant la foi. Mais il fait référence à la foi, l'Évangile en tant que tel. Tout ce qui comprend l'Évangile, les termes de l'Évangile, et une bonne conscience. Autrement dit, c'est pas seulement ce que tu prêches parce que ça prêche bien, mais parce que c'est la vérité. C'est la vérité, que ce soit bien reçu ou pas reçu, favorable ou non favorable, ça ne dérange pas. Mais c'est en gardant la foi et une bonne conscience. Et Paul a toujours dit, et c'est ça qui engageait souvent les religieux, j'ai une bonne conscience. Ce qu'il faisait, il avait une bonne conscience devant Dieu. Parce qu'il prêchait avec l'Ancien Testament concernant Jésus-Christ. Il avait une bonne conscience. Mais il était mandaté. Autrement dit, Timothée prêche la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Cette source de salut qui a été manifestée. Et ça, ça avait vu de renoncer à certaines choses et à vivre dans le siècle présent, pas venir dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Et le fait que Paul a servi Dieu avec en bonne conscience, je pense que ça nous parle que sa vie et sa marche étaient par la foi. Et il termine, sinon il n'y avait pas de chapitre dans ce qu'il écrit ça.
lorsque ça nous était originalement écrit. Mais ici, pour nous, au premier chapitre, il termine, je crois, avec une réalité que souvent est négligée de nos jours. Et ça, c'est la discipline de l'apostolat, on pourrait dire, de l'apostasie, qui cherche à s'infiltrer. Et donc, Paul met comme une mesure de protection qu'il donne. Au verset 19, ça dit, « En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Tu vas peut-être gardes la foi, mais il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi, ou concernant la foi. Et la raison pour laquelle, il nous dit, parce qu'ils ont perdu cette conscience. Ils sont venus prêcher leurs propres affaires, des fables, des généalogies sans fin, et ils se tournent vers autre chose. Qu'est-ce qui est certain? Et qu'est-ce qui est digne d'être reçu? Ils ont fait le naufrage. Et cette raison-là, ils ont perdu, justement, cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Le terme perdu ici qui est utilisé, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'ils ont repoussé, ou qu'ils ont rejeté de soi, ou qu'ils se sont écartés. Et ça vient du terme. Le terme de base, c'est la répudiation. Ils ont répudié, ils ont séparé. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est que lorsque les gens prennent le l'Évangile, qu'est-ce que ça fait? Ça cause des divisions. On a vu ça la semaine passée. Et on voit ici que Paul exerce la discipline. Il dit, de ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Wow! Les choses en Église, ce n'est pas toujours beau, n'est-ce pas? Et on doit se tenir ferme, on doit garder la foi. Mais je crois que le fait de le livrer à Satan ou de les livrer à Satan, le but, je crois, ultime, c'est la correction. Le but de la discipline, c'est la correction. C'est l'instruction que ces gens-là soient instruits. Parce qu'il dit, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je les livre à Satan, le reste, ça appartient à Dieu. Dans 1 Corinthiens 5:5, il dit qu'il le livre à Satan, qu'il a livré ce jeune homme-là qui était dans l'immoralité pour la destruction de son corps afin que son âme soit sauvée au jour de Jésus-Christ. Donc, le but de toute discipline, même nous quand on discipline nos enfants, le but, ce n'est pas de leur faire mal, mais c'est de leur faire du bien par l'entremise, parfois, de tout l'âme. Et ces hommes-là avaient besoin d'être livrés à Satan. Paul dit dans Éphésiens, frères et sœurs, de ne pas donner accès au diable. Le danger de donner accès au diable, c'est qu'éventuellement, une personne peut être livrée au diable. Et on va voir ça un petit peu plus tard dans l'épître à Timothée. Allez. Merci de votre patience. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?